Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Vikings. On se retrouve pour la suite de l'aventure. Moi j'ai fait la petite chasse au géant de glace dans le niveau précédent qu'on avait fait la dernière fois. Donc une chasse un peu longue parce qu'on peut pas trop la rusher. Bon, c'est le temps qu'il faut, hein. C'est ce que ça me prend de faire tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer que voilà, j'avais une hache de vanirite pour le coup. J'ai changé mon épée qui du coup n'était plus aussi haute. Il y avait quelque chose de mieux qui arrivait et je me rends compte que j'ai pas mis la rune. Et j'avais récupéré d'autres haches vanirite qui avaient une meilleure... Alors, effet d'arme, chance coup critique, vitesse d'attaque plus 9. Avec la vitesse d'attaque sur toi. Et toi celle-ci, ok. Et j'avais trouvé quelque chose qui était un peu mieux que le que Mjolnir. Mais bon, je me suis dit, bon, on vient de récupérer Mjolnir, utilisons-le au moins 2 épisodes avant de le changer. Même si on le gardera hein, dans notre inventaire, mais bon. Malheureusement, il va vite se retrouver dépassé. Alors, une alliance dans les flammes. On dit que certes, le géant de feu est invincible et qu'il brûlera le monde de ses flammes lors du Ragnarok. Simul a cherché à s'allier avec lui, mais il semblerait qu'il ait refusé. Grimnir cherche certainement à assurer sa suprématie en ajoutant les géants de feu de Balheim à sa horde, alors nous devons empêcher cette alliance à tout prix. Ce n'est en tout cas pas pour rien que Balheim est surnommé le pays du feu, car la chaleur y est suffocante. Préparez-vous-y. Donc on va certainement avoir des dégâts environnementaux cette fois-ci de chaud, et encore une fois, un temps de chargement hyper stylé. Ça, c'est un truc qu'on n'enlèvera pas au jeu, hein, les dessins sur les temps de chargement sont très très stylés à chaque fois. Et on laisse la narratrice. The prophecy that Surt could not be defeated in battle empowered the fire giants to acquire what the people of the south might call a civilization. With the leader of the fire giants spurning Simul's advances, Grimnir was even more intent that his own emissary would secure their loyalty. Although the chances were slight that the Ulfhorn could disrupt this alliance, it was worth the attempt. Besides, however the politics might resolve, the fabled lava forges of Balheim are a prize any mortal might seek to capture. Bah, c'est survie. Ça, c'est autre chose. Effectivement, il va falloir aller sur des petits endroits de frigorification. On fait ça comme ça. Alors, on a des totems, des géants de feu à tuer et des crânes de... des crânes de fer à avoir. Alors, l'aspect chaleur et tout, un peu brouillé comme ça, je suis pas trop fan, j'avoue. Mais sinon, les décors sont jolis. Faut que je te tape? Non. Bon, non, il en a rien à cirer. Ok. Bon, tant que personne en a à cirer quelque chose de moi, on va continuer comme ça. Moi, ça me va très bien. Hein. Même si je suis censé vous tuer, hein, mais... je pense que ça se... ça se gâtera un peu plus tard. On récupère les coffres pour le moment. Je peux casser ça. Ok. Resistance is futile. Rencontrer les représentants de Surt. Bah, on va faire ça. Hein. Bonjour. Sir. I presume. I am his warden. Our leader has no time to meet with the likes of you. You must not ally with Grimnir. He cannot be trusted, and he will bring doom upon us all. Who are you to judge in this matter? I am the War Wolf, the chieftain of the Ulfhorn. And I have seen Grimnir's treachery with my own eyes. Your clan is insignificant to us,
And you are too late. The alliance with Grimnir is already agreed. Guards! Guards! Arrest this tiny creature, or slay it if it resists. So much for politics. Resistance is... Bon, évitez l'arrestation. Merde, y'a les flics! Non mais... Waouh, ma vie. Ah, le truc c'est que... Mon arme la plus puissante c'est une attaque de feu. Donc comment dire que je suis pas du tout désavantagé? Aïe. Putain. Trois comme ça c'est chaud. Aïe, mais bordel. Okay, ah, il va me toucher de si loin. J'ai déjà plus de vie. Ok, lui c'est bon. Je comprends pourquoi il m'en demande de tuer 20. Le deuxième il est bon. Ok. Là on a l'équivalent quand même d'un boss hein, devant nous. Non mais d'où? Bon après c'est vrai qu'il a aussi une grande allonge. Oh, c'est pas passé loin ça. Et ça sent la mort. Ouais c'est ça, ça lui fait tellement pas de dégâts du coup. J'aurais dû y penser. Le truc c'est que j'ai pas d'attaque de glace. Et hop là, esquive. Ça va être long hein. Mais petit à petit, on le grignote. Et merde, il m'a eu. Il m'a eu. C'est chaud, c'est le cas de le dire. Resistance is futile. Tac. Resistance is... Je pense pas que... En quelconque réponse qui change quelque chose. Faut pas se leurrer. Je suis pas non plus mécontent d'avoir fait le choix d'augmenter un petit peu mon armure dans les stats. Je pense que ça m'aide pas mal. Bon, déjà eux ils ont été plus... J'ai pas trop agressé leur chef. Je vais quand même me soigner parce que c'est super mal. Non, mais non, mais d'où il touche là? Ok. Sois pas gourmand. Voilà. Ouais. Je vais aller en haut pour sauvegarder. Ça, c'est fait. Et après, on va revenir sur le bas parce qu'il y a des géants qu'on a laissés. Ouais. Ça, le point de passage, il est atteint. Je vais aller faire cela. Ouais, je fais quand même du dégât. Ils m'en font, j'en fais. En fait, le truc, c'est que faut que j'esquive au maximum leurs coups, quoi.
ça c'est comme l'autre. Ça va être plus compliqué. Alors, j'ai toujours la rage, hein, évidemment, mais... J'attendais d'être en mode galère. En termes de vie, pour l'utiliser. Lui, c'est fait. Ouais, toi. Alors, je sais pas s'ils sont dit dans le décompte des gens à tuer. Est-ce que les joueurs vont penser à reculer, bah, à revenir en arrière pour aller les faire, ou ils en ont mis 20 après et c'était pas obligé. Bon, au pire, ça fait toujours de l'XP, des points, de ce genre de choses. Il y a un coffre là que j'ai pas ouvert. Bon, il y avait rien d'important dedans, mais ça reste quand même un coffre en plus des ressources. On va pas non plus s'en plaindre. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est vidé. Ça se casse pas ça. Non mais arrête de te bloquer dans les petits cailloux comme ça. Donc là... Ce qui va être important, c'est de récupérer au bon moment le soin. En tout cas, on a de nouveaux ennemis. Même si c'est globalement un reswap hein, de couleur. Ils sont en rouge à la place d'être en bleu. Mais ils ont d'autres résistances, donc ça... Normalement t'es censé un peu moduler ton gameplay pour les combattre, etc. Mais bon, on va dire que c'est des nouveaux ennemis à moitié. Ouais. Ah, ils m'ont brûlé. Bien joué. Ouais, tous les ennemis me font du dégât. Il va falloir y aller en mode hyper prudent. Pas de se dire que c'est gagné. Surtout, ils sont beaucoup. Surtout que je peux plus écrémer comme avant avec mon lancer de hache. Ok, lui il est bon. Ok. Ok, ok. Ça n'a pas l'air non plus immensément grand, mais il y a l'air d'avoir du monde quand même sur le terrain. Ok, ça c'est fait. Bon, heureusement que j'ai toujours l'attaque qui permet de tourner sur moi-même. Ça, ça reste efficace. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Bon, j'essaie de repérer les totems aussi. Faut pas que je les oublie. Et les coffres. Oh merde. Ok, il m'a mis... il m'a mis un coup de pied, je suis mort. Bon. Ça va être compliqué la zone. Ça va être un épisode peut-être un peu long parce que je vais galérer. Ah oui, mais... J'essaie de me soigner, mais j'ai plus de soin. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, faut vraiment pas que je les agresse trop. L'objectif, c'est vraiment d'y aller par petites touches. Les trolls de feu, il va falloir les esquiver, les attaques. Les jeunes trolls, encore, je peux les encaisser. Eux, c'est autre chose. C'est quoi, ça? Ça se casse? Allez, viens.
ça va bien se passer. Voilà. Écoute, viens là, viens là. Ok. Ok. Pas mal là. Ok, c'est pas trop mal. On s'en est pas mal sorti là sur cette tentative. Allez, viens là. Viens, viens par ici. Merci le blocage. Pas trop compter non plus là-dessus. J'ai un pourcentage de blocage, mais il est pas. Il est pas. Il est pas insane. Oula. Je vais pas venir. Ok pour lui. C'est fait. Allez, on compte. Attention, il y en a un qui arrive dans le dos. Voilà, on prend pas de risque, on lui met un coup. Ici. Rien. Des ressources, hein, c'est toujours cool, mais. Rien de ce qui m'intéresse. Ah, les loups prennent quand même cher avec cette attaque. Ok, il y a un petit bug là. J'ai un peu tout traversé. C'était pas l'effet recherché. Je commence à brûler. Soigner. Voilà, parce que il y a ça évidemment qui m'attend. Il y a aussi masse de troupes. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. Premier surpris. Il va falloir revenir. Ça va être trop juste sinon. Ça va être aussi beaucoup d'aller-retour, hein, je pense. Ce niveau et cette mission entre courir, se soigner au vu des dégâts que je prends et bah, comme toujours quand il y a des zones comme ça avec des dégâts environnementaux qui montent continuellement et on court dans la petite zone sûre pour faire baisser tout ça. Là, je me suis un petit peu enfermé, chose à ne surtout pas faire. Ok, je recule. Il m'a rien fait. J'en ai eu deux. Et deux, trois. Ouais, il faut jouer sérieux. Ok. Un géant. Avec une énigme. Ok, j'ai eu le géant. Je me demande si c'est pas l'effet de mort imminente qui a sur Mjolnir. Ouais, chance de mort subite plus 1%. Je me demande si c'est pas ça des fois qui me sauve. J'ai des boutons. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Certes. Ouais. Et bah écoutez, on va essayer d'être. J'avais pas vu lui. On va essayer d'être attentif à ça et de trouver les symboles. Là il y en a, mais. Je sais pas s'il représente vraiment quelque chose. Ah, c'est peut-être mes... Attends. Ça fait des dégâts de glace, ça? Non. Bah, je vois pas. Toi, tu t'en vas. Je sais que je suis en train de trop d'avancer, ne vous inquiétez pas.
On va reculer. On va revenir sur nos pas. C'est juste que je voulais la sauvegarde, comme ça, ce qu'on a fait est conservé. Et c'est ce qui compte. D'avoir quand même le sentiment de progresser un petit peu. Alors, j'essaye d'être attentif aux symboles. Ouais, je sais pas, d'un coup je leur fais super mal. Pour une raison qui m'est obscure. Quand j'active mes lames tournoyantes. Alors on va aller là, on va continuer à augmenter l'armure. Ici, qu'est-ce qu'on a débloqué? Oui, bah je peux passer ça. Niveau 3. On faire 60% d'éviter les étourdissements. Ça peut être pas mal sur les géants. Ouais, c'est un troll de lave berserk, ça. Bon, plus costaud. Un crâne de fer, ça c'est cool. Et un totem aussi, donc c'est servé vraiment à quelque chose de revenir par là. Par contre, j'ai que 4 totems. Il y en a un qui est devant mes yeux, hein, mais je l'ai pas vu. Quand je dis que je les vois pas, c'est juste incroyable, quoi. Pourtant j'essaye d'être attentif, hein, mais vraiment, je sais pas, je passe au-dessus, je passe devant et mon cerveau il tilte pas. Mes yeux doivent le voir, hein, mais mon cerveau il fait non, c'est du décor, ça. Continue à avancer, c'est rien. Bon, j'ai toujours pas vu les symboles, hein, par contre, pour le petit endroit là qu'on avait trouvé. C'est un peu dommage, hein. On va continuer par là, nous. Ah, celui-là, je l'ai vu. Oula. Un truc qui a volé au premier plan. Je crois pas que c'était prévu pour. Voilà, bonjour. Le loup dégage. Bon, c'est bon, je crois que j'ai appris à peu près quelle attaque sert contre quel ennemi. C'est stylé ça. Ça marche bien contre eux. Pas un coffre, quelque chose comme ça. Je sais, on prend des dégâts. Plus que 5 géants. Est-ce que je vais pouvoir me soigner un petit peu ici? Bah oui, mais retourne-toi d'un coup comme ça aussi. Je te dirai rien. Je te dirai rien d'avoir une absence d'animation. Ok, ça c'est fait. Bon, finalement ça se passe pas trop mal. Là c'est bloqué. D'avoir un levier. Oui, là. Ah, c'est pas mal ça. Quoi? Toi, tu mets les deux. Oh non, c'est encore une de ces merdes. Ça, voilà. Et sinon, vous voulez pas me mettre des symboles là que je puisse activer les petits boucliers? Non?
Vraiment pas. Voilà. Trop de monde. Voilà. Déjà, ça c'est crème, c'est pas mal. Je vais me soigner. Oui, voilà, il a pris tarif. Loulou, tu bouges surtout pas avec ton pote derrière. Voilà, tes trois potes, vous mourrez. Parfait. Ah, et d'autres symboles là. Ah, il va faire tout le tour. Ah, je crois que c'est un truc comme ça. Alors attendez, je prends un crayon. Une feuille. Hop, ça sera très bien. Et je vais me dessiner les symboles et bah, je suis désolé mais l'épisode sera un poil long puisqu'on fera le tour pour aller les chercher tout simplement une fois qu'on sera au boss final. Mal. Ok, va défoncer. Bonjour, au revoir. On est où? On est là. Bon, on n'est pas trop loin. Oh là là. On a mis plein le cul. Défoncer. Trop tard, de tension. Pas du tout ce que je voulais faire. Comme j'ai le doigt prêt à me soigner, et bien. Et du coup, je me suis soigné trop rapidement. Bon. On va recommencer, mais on va la tirer. Mais merde! Planche, on attaque trop vite! Je vais mourir. Oh! Cette chance! Doublement! Ça fait deux fois qu'il pouvait me toucher. Ok pour lui! Par contre, j'ai plus beaucoup de soins, plus beaucoup de vie, c'est la merde. On attend. Mon pote aussi. Foutez-moi la paix. Voilà. Les crânes de fer, c'est fait. Les totems, on a 8, hein, mais ça j'y crois pas une seule seconde qu'on va y arriver. Ouais, surtout que c'est plus ou moins l'arène qui arrive. Après, vu qu'on va revenir en arrière pour les symboles, il y a peut-être moyen. Donc celui-là, on l'a noté. Je crois qu'il y avait 4 symboles à trouver, hein, c'est ça. Alors je suis désolé, ça va être long. Pas forcément le plus intéressant non plus, mais j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Si c'est comme pour les autres, et qu'il y a un objet complètement craqué, autant y aller. Hein. Je vais prendre un petit soin. On n'est pas à l'abri d'un ennemi qui apparaît de manière impromptue. Alors. C'est vraiment des symboles disséminés. Un peu partout. Il
Je sais que j'en avais vu un autre. Ah bah voyons. Quand je dis qu'on n'est pas à l'abri d'un ennemi qui apparaît. Alors qu'on est censé avoir nettoyé les lieux. Hop. On fait ça. Alors, où est-ce qu'il y en avait un autre? Là. Voilà, celui-là, je l'avais vu. Espèce de symbole mal fait des assassins sur le côté. Après, si on en a trois, ça suffit, quoi. L'autre, il suffira de le tourner et puis ça s'activera tout seul. Mais il en faut un troisième. Tac tac tac, rien par ici. Là, voilà. Tac. Et tac. Les symboles ressemblent à rien. C'est plus des pictogrammes mésopotamiens qu'autre chose, mais... Mais bon. Ça fera l'affaire. Je pense. Alors maintenant, il faut retrouver cet endroit. Je crois... que j'ai pas revu hein, de totem de troll, par contre. Essayer de faire gaffe en même temps, mais... Alors, toi, il faut que tu sois droit. Comme ça. Toi, tu es droit aussi. Voilà, toi, tu es sur le côté, l'autre côté. Bam, et toi, au bout d'un moment, ça fonctionnera. Voilà. Et ici, on va avoir l'espace d'onde vanirite et un anneau magique. C'est tout ? Mais tu te fous de moi ? Ah, je me sens... Je me sens arnaqué. Je sais pas vous. Mais là, pour le coup, je me sens vraiment arnaqué. En mode, je m'attendais, je sais pas, à un objet de relique... Oh, je m'attendais pas à un crâne de fer parce que de toute façon je les ai tous, mais. Ouais, je me sens un petit peu arnaqué là par le jeu. Mode. Vas-y, j'ai fait ton énigme, récompense-moi. Après, ça se trouve, c'est des armes complètement craquées, mais. J'ai pas été au bon endroit. Mais quand même, là tout de suite, j'ai pas l'impression d'avoir été très récompensé par l'effort. De faire l'énigme, de faire des allers-retours et tout ça. Donc bon. Un peu décevant. Non, c'est pas par là. Quand on remonte. Vite, vite. Et on va par là. C'est parti. Ominous. This is usually when the heavies come out to play. I thought we were supposed to fight something dangerous. Encore, hein? Oh, aye, there it is, over there. That, it's tiny. Where's the challenge in that? It killed a warden. Watch yourself. Alors pourquoi je dis encore eux? Parce que c'est... Parce que c'est les mêmes... C'est même pattern que les deux géants de glace qu'on a affrontés dans l'épisode précédent.
juste que ça va être plus dur. Et que pareil, il va falloir focus un seul. Plus dur parce que ils me font masse de dégâts, ces petits saligots. Meurs. Voilà. Waouh. Ok, il s'est énervé. Merci le blocage. Oula. J'ai passé loin. Aïe. C'est pas passé loin non plus. Allez. Voilà. It's not the size that counts. It's what you do with it. Is it me or is it getting off in here? Plein de récompenses, on est content. On a fini les géants de feu, hein, c'était les derniers. Et il va manquer deux totems. Bah, je sais pas où ils sont, je les ai pas vus. Tant pis. Marteau de Sindri. Ah, ça va être intéressant ça. Vous allez voir pourquoi. I suppose I should have known better than to trust the Warwolf to engage in diplomacy. Grimnir now had the support of all the giants. An unprecedented alliance, an unstoppable force. Even with one of Sindri's hammers in their possession, what hope had the wolves of Midgard now? Eh bien, on va bien voir. En tout cas, j'ai déjà normalement amélioré ma forge au niveau 5 et passé mon charpentier niveau 5. Et du coup, terminé les améliorations du village. Des commerces du village, il reste encore le maître batelier qui a d'autres navires à nous offrir. Alors normalement j'aurais déjà dû avoir un succès hein, pour le charpentier niveau 4, mais il est pas tombé, comme le fait de tuer 4 ennemis d'un coup hein, que j'ai fait au moins une dizaine de fois. Non, it cannot be. As if our fortunes had not proved barren enough, now the fates have unfurled their final banner. Seeress, what do you see? The Roman and bishops remain resolute in their desire to bring both Albion and the Viking clans under imperial rule. The Bishop of Skye has besieged the castle at Caer Leon with all his remaining troops. Alas, that is not our only worry. My mother reports that the Duergar are on the move. They too are heading for Albion. Non, non. Will Grindel aid us against Simul and her allies? She has no love for her neighbors, the Etin. She will warn me when a gate from Dwegheim opens. So the mighty Grindel has been reduced to a simple alarm bell? That's my mother you're talking about. Careful, half-troll. I am still your chieftain. Control your temper, child. Save your ire for the battle to come. Merthin shall use his magic against the Duergar when they come, but he will need your aid if we are to succeed. So, let me get this straight. I have to fight against an Imperial Legion, another crazy bishop, Simul's Etin Horde, and the swarm of her Duergar allies. The warriors of Albion call you the Giant Slayer, and declare it has been foretold you will save them. I, for one, believe them. You must attain victory, for if you do not, it will be the end of all worlds. Ragnarok will come, and even the gods will not be safe. Ça va, pas trop de responsabilité sur mes épaules. Mais je te jure, était Arthurus à défendre Caer Leon. Ouais bah on va faire ça, de toute façon j'ai pas trop le choix. Est-ce qu'on a des nouvelles choses que je vois apparaître? Pas trop l'impression. Bon, et ben ça c'est fait. On
va aller voir l'amélioration du forgeron. Comme ça, vous allez voir le petit changement. Trophée obtenu, maître forgeron. Ça, c'est cool. Stylé ta forge. Franchement, stylé. À ton tour. Voilà. Et toujours pas le trophée. Putain, ça me saoule. Mais ça me saoule. Vous savez pas à quel point ça me saoule, ça, de voir les trophées buggés avec le PS Now. C'est chiant. Bon, au moins, j'ai pas de chasse à faire pour la prochaine fois. Et donc, la prochaine fois, ça sera par ici. Et on fera la bataille de Carleon. Encore. Je sais plus comment il s'appelait l'épisode à Carleon, mais j'ai un doute. Bon, enfin bref, on verra bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Il y avait un peu de challenge, hein, pour le coup, avec les ennemis. C'était assez costaud. La prochaine fois, donc, on ira faire cette bataille de Carleon. On va aider Arthurus et on va affronter d'innombrables ennemis. Et puis, on essaiera de triompher de tout cela. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.